Champions League, les amis, de retour. Pas les bébés, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le JT de la Ligue des Champions après les 8e de finale aller de la Coupe d'Europe. Tout de suite, on voit notre programme avec en premier les résultats de meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. 3, ça va être les deux équipes des deux semaines à chaque fois, équipe de la semaine. On ne fait pas un mix, on veut du gros, du grandiose pour jouer avec 22 joueurs mis en avant. Les tops et les flops. Pour finir, il n'y aura pratiquement que des tops parce que j'ai pas voulu assommer. Les résultats avec l'OL s'impose hier soir 1-0 sur sa pelouse face à la Juve. L'exploit de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. Le petit poussé, comme aurait pu dire Jean-Michel Aulas la saison dernière. But de Lucas Touzard. On y était hier soir. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Real Madrid qui s'incline 2-1 ici aussi hier soir à Santiago Bernabéu. Voilà, 3-0 pour Bayern face à Chelsea et Naples 1-1 face à Barcelone pour les matchs de mardi dernier. La semaine dernière, ça fait 2-1 pour Paris, pour Dortmund face à Paris. L'Atlético qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse, sur sa pelouse face à Liverpool. Attention au retour qui va être chaud en Anfield, à suivre avec beaucoup d'appréhension. 4-1 pour Bergen face à Valence et Leipzig qui s'impose 1-0 sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Maintenant, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Meilleur buteur, c'est Robert Lewandowski avec 11 buts, suivi par Erling Braut Haaland, notre ami le Norvégien. Voilà les amis, Harry Kane derrière avec 6 buts, Dries Mertens et aussi Serge Gnabry 6 buts. Les meilleurs passeurs avec Hakim Ziyech, éliminé de la Coupe d'Europe des clubs champions de la Ligue des Champions avec l'Ajax. Tolisso avec 5 passes, Tolisso 4 passes, tout comme Riyad Mahrez, Mbappé et Firmino, et 4 qui suivent derrière. Allez, maintenant les équipes de la semaine avec dans les buts Gulaksi, je ne sais pas comment ça se prononce, dites-le-moi si ça, si vous savez comment ça se prononce, c'est les gardiens de l'Espiel, du Red Bull l'Espiel. Lameur en défense centrale avec Atevoer à droite, encore des équipes qui se sont révélées cette année ou l'année dernière, des équipes qu'on ne connaissait pas avant, qui se révèlent là depuis 2-3 années. Atalanta et les Psyches encore, avec Philippe et Lodi, voilà pour les deux de l'Atlético en défense centrale. Il va avoir Saúl Ñíguez pour l'Atlético au milieu de terrain avec Freuler, dites-le moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires, de l'Atalanta. Chérichev aussi au milieu de terrain, le russe, avec Ilicic, Pasalic de l'Atalanta encore une fois et Haaland en pointe. C'était la semaine dernière. Oui, je suis un peu footix. Casquette du Real, maillot de l'OL. Voilà, les amis, je tenais à le préciser. Un peu footix. Avec la deuxième équipe de la semaine, c'est dans les cages Manuel Neuer, David Alaba et James David, je ne sais plus son prénom. Dites-le-moi si vous le savez, je vous regarderai. Pour le Bayern, on va avoir nos trois Lyonnais aussi sur le plan défensif avec Léo Dubois, l'international français en latéral droit, et Fernando Marsal, alias François Marsal, comme dirait Stéphane Guy, en défense centrale, qui a joué en défense centrale, oui, à 3 face à la Juve, qui a fait d'ailleurs un très bon match contre toute attente. Hein, voilà. Lucas Touzard au milieu de terrain, lui aussi super match et un but qui pour l'instant permet à l'OL de entrevoir les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois depuis 10 ans. D'ailleurs, je l'avais pronostiqué de 1-0. Voilà, j'ai pas parié comme un con, mais je l'ai dit 1-0. J'ai dit comme il y a 10 ans. Vous pourrez demander à Patou si vous le voyez ou dans une vidéo, on lui demandera prochainement. Isco avec De Bruyne et Gnabry pour les trois un peu plus offensifs et les deux attaques en pointe. Robert Lewandowski et Dries Mertens. Voilà les amis, pour l'équipe de la semaine numéro 2. Alors, les tops et les flops avec le premier top, le Champions, Hans Atevoer, le premier top, auteur d'un doublé, le défenseur international néerlandais, a été acteur majeur de la victoire bergamasque et d'une possible future qualification pour les quart de finale, j'ai fait une petite erreur, je viens de voir, c'est pas grave, de la Ligue des Champions. Le deuxième, c'est Erling Braut Haaland, bien évidemment, qui a martyrisé nos amis les Parisiens. Voilà, dommage pour eux, hein, franchement. Autant de buts, l'attaquant international danois
a été l'homme de la semaine européenne grâce à lui. Dortmund a pris l'avantage sur le PSG pour un éventuel quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Félicitations à lui. Ah oui, non, d'un coup. Alors, le troisième flop top, c'est celui de cette semaine. C'est un Lyonnais. J'ai pas voulu mettre tous ceux qui étaient dans l'équipe de la semaine, ni l'homme du match Houssem Aouar, qui a été désigné le premier Français d'ailleurs, homme du match depuis que ce trophée a été créé en Coupe d'Europe cette année, il me semble, ou l'année dernière. Voilà, Moblet Bossy l'avait dit sur un AMC, mais je m'en rappelle plus, qu'il le garde bien ses étoiles là, ça va lui porter bonheur. Avec Bruno Guimarães, oui, pour sa deuxième avec l'Olympique Lyonnais, il a été auteur d'un super match. Pour sa première lieu sur la scène européenne, hein, aussi il faut le dire, il a éclaboussé la rencontre de sa technicité, il a même été au contact, hein, il n'a pas eu peur, bon, il y avait un pénalty qui aurait dû être sifflé en sa défaveur. Bon, pour une fois, j'ai envie de dire, Wall se fait toujours avoir par les arbitres, donc pour une fois, tant mieux que ça soit dans l'autre sens, dites pas que Wall est avantagé par les arbitres, parce que moi je vous mets des patates, hein. C'est pas vrai. Donc il est peut-être l'acteur principal du renouveau lyonnais, encore une faute de frappe. Désolé. Avec le dernier top, c'est les Bavarois, tout court, hein, l'institution Bayern Munich, attaque, défense, milieu de terrain, tout ce que vous voulez, le staff, etc. Ils ont été à la hauteur dans ce 8ème de finale de Coupe d'Europe. Offensivement comme défensivement, les Allemands étaient largement au-dessus de leur adversaire anglais. Félicitations à eux, on s'est régalé de talent, surtout Serge Gnabry et Robert Lewandowski en particulier. Avec le flop, oui, lui je veux le mettre carrément, c'est l'un des Parisiens que je ne peux pas blairer, peut-être celui que je blaire le moins. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Neymar Junior. Autant d'un match très décevant à la superstar parisienne, a raté tout ce qu'il a entrepris, ou presque, oui, presque. Il doit revenir avec d'autres intentions pour le match retour. Voilà, c'était les tops et les flops. On va se dire au revoir maintenant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes. Et abonnez-vous et commentez la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai eu des dislikes sur le match, sur le vlog. Hein. Je pense que c'est des Italiens mécontents, voilà. La tristesse qu'on leur a fait, nous Lyonnais, on s'excuse. Je vous fais des bisous, les Italiens, excusez-nous si on vous a attristé, mais enfin, voilà, on est un peu obligés, on vous laissera acheter, regardez. Nous sommes Olympiques Lyonnais, donc on se retrouve ce week-end pour le débrief de l'OL et puis pour le JT de la Ligue des Champions dans 3 semaines maintenant. Même dispositif que là, on va pas faire un JT à chaque morceau. Voilà, désolé si j'ai pas trop regardé la caméra, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous passez des bons moments en Coupe d'Europe. Et ce soir, c'est la Ligue Europa. Hein. Peut-être que la vidéo sera sortie après les matchs. En tous les cas, Kishet Pali, à la prochaine. Salut. Merci à tous. Merci à tous les clubs d'Europe de nous faire vibrer et de nous donner un peu de tristesse pour certains. Voilà. Allez, Kishet Pali, à la prochaine. Salut.